24 février 2017. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les gens. Bonsoir. Bonsoir, le monde. Bonsoir, la France. Bonsoir, nous tous. Les jours heureux. Du colombe. Le soir qui tombe. Un regard bleu. Plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé. Plus la vie, on dit le son de nos profanants qui va naître à des mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au chaud soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne, aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence, et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ça va? Le son va bien? C'est pas trop fort? C'est pas assez fort. Parce qu'effectivement, comme le disait le directeur de la Maison des Jeunes tout à l'heure, j'ai cousu, tricoté, concocté, organisé un répertoire autour de Stéphane Hessel. Parce que pour moi, c'est un personnage très important. En quelques mots rapides. Stéphane Hessel, né en 1917. Commence bien, 1917. Mort en pleine jeunesse, à 96 ans. Nous chanterons le temps des cerises, et guerre aux signoles, et merle mon cœur, seront tous en fête. Les belles auront la folie. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chaleurs d'amour, évitez les belles. Avec les jolies filles et avec les vieux cons.
qu'un obus a coupé par le travers en deux. Une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage et sans yeux. Il manquait aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée. Sinon parce que le... Un roi d'Espagne ou bien de France avait un corps aux pieds, c'était au pied gauche, je pense, il boitait à faire pitié. C'était au pied gauche, je pense, il boitait à faire pitié. Il y en a un sur dix qui chante. C'était au pied gauche, je pense. Il boitait à faire pitié. Sans être pour autant un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie, mais je ne suis pas le mauvais bougre, et j'ai mon cœur, et ça compense à la rigueur. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qui commettent ou permettent des bêtises et se disent qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, parlent sur terre. Les trois quarts des trois quarts sont des gens très méchants, des chrétiens sectaires. Il s'agit de sexy, de simple, des voleurs, c'est la lavande. Ils emmerdent tout le monde. Quand les cons comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, mais pas très grave. Qui commettent se permettent des bêtises et sottises qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Il s'agit de sexy, de sans voix, des colons, c'est à la ronde. Il est à toi seul de trancher s'il vaut mieux dire amen ou mettre à pied. Ou bien fleur au fusil. Mais c'est bien, mais c'est marrant, j'entends plus de voix féminine. Ah, vous êtes d'accord? Oui. Cross en l'air, ou bien fleur au fusil, c'est à toi. Dans des cités choisies, à toi seul, de trancher s'il vaut mieux, dire amen. Pour les fréquenter, on venait pour se présenter, pour qu'ils nous plébiscitent, dans l'espérance d'être admis et naturalisés amis, on veut mettre en visite. Liberté, 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 liberté. Il a donné les fruits sucrés
ventre de sein. Ne la revois pas en souriant. Respire, marche pas, va-t'en. Quand tu aimes, il faut partir. Elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui vous donne envie de vivre, qui donne envie de la suite. Merci.